On prend des paquets de Dragon Ball Super Card Game Fusion World saison 2. On les met comme ça et ça fait un éventail pour l'été. Hein, voilà. Donc, vraiment, encore une fois, en tant que collectionneur un peu vénère, où je collectionne de tout, des cartes, des livres, des jeux, des figurines, machin, etc. Ça, sincèrement, c'est le genre de cartes que je ne recommande pas pour la collection. Au pire, vous chopez les cartes rares, parallèles, machin, qui ont vraiment de la gueule, mais les trois quarts, voire un petit peu plus, juste pour de la collection, ça pue un peu la merde. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va se déballer encore 8 boosters de la saison 2 de Fusion World. Au programme du jour, j'en sais rien, on verra. Prix du booster 220 yens au Japon, je tiens à le rappeler, il y a 6 cartes à l'intérieur, un code également. Je vais prendre mon petit ciseau et on découvre ces nouvelles cartes du jour. Un zimble. Les paquets sont préparés, j'ai viré les codes et on a juste à passer au gros plan, ma gueule. Oui, on y est, allez vas-y, on commence, on va aller directement à l'essentiel, on va décortiquer tout ça. Et on commence avec ce premier baguette que je vais maintenant... checker. Alors, on a du KB dans les parages. KB que j'ai déjà eu en double, triple, quadruple. Le Great Saiyaman également que j'ai déjà. La Chichi plutôt sympathique. Le Vegeta dégueulasse. On a ensuite de la Kalefula. Et on termine avec une rare. Voilà. Tu sens la déception, ouais, quittez là, génial. Franchement, là, je me suis fait une petite gâterie tout seul dans mon cerveau. Incroyable, cette carte, elle est sublime. On a ensuite du Piccolo dégueulasse. On a du Zarmas plutôt bien foutu. On a la team d'Hercule. Oui, Mister Satan, si tu préfères. On a du Kulilin. Putain, même Kulilin, c'est un personnage simple à réaliser. Pourquoi tu me fais des contours aussi pourris? Bordel de merde. Putain, le Gohan. Un Gohan en Super Saiyajin de 35 000 de puissance, il rigole pas du tout. On a ensuite de la belle C18, ah ben c'est fini, mince, de la rare. Ah, voilà. On continue, on espère choper de la parallèle, on espère choper des leaders, on espère choper des cartes rares, super rares, and the space, de la secret. De la Videl, petite mignonne et sympathique. On a ensuite du Basil. Il aime bien le Basilic. On a du Trunks Milai de Dragon Ball Super. Oh putain, mais le Kame Sennin de merde. Bonjour, je suis moche. Oui, t'es moche. On a ensuite le Zamas. Il a la main qui fond parce qu'il y a trop de feu. Et on termine avec une rare de Zamas qui fait du karaté. Karaté ninja. On continue, messieurs, dames. On continue avec... Encore un paquet, bah oui, t'es con Marty, oui, je sais, oh, ninja, de la merde, en Vegeta, ça reste propre, putain, muscle, puissance, 1 milliard avec le gold, et on termine avec une UC qui n'est pas terminée, putain, Piccolo, il me fait peine, tu me fais peine, mon ami, une SR de Vegeta, que j'ai déjà, dynamisme de merde, perspective de merde, de la merde. Tu sens cette odeur? Oui, c'est quoi? Bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouh, leader, tiens. Une leader de Vegeta en Super Saiyajin God. Super Saiyajin, j'ai chaud, juste en le disant. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Hein, à part rien. Et là, bon, bah, écoutez, simple. Hein, voilà. Oh, un Super Trunks. On dirait qu'il a pris du gras et non pas du muscle. Puis regardez-moi ce cou, il est dégueulasse. Le visage, tout. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce que vous me faites, Bandai? Putain. Ah, j'en ai marre de me plaindre. Je veux être un peu joyeux, positif, tu vois. Et non pas me plaindre toutes les 3 secondes, c'est chiant, quoi. Screenshot du Megaten no Goku en extra. Du Mecha Freezer dégueulasse. On dirait qu'il a des pustules. On a ensuite le Kame Sennin. Et on termine avec une rare des Mister Satan. Incroyable, c'est celle que je voulais. Non mais vraiment, c'est celle que je voulais, je me suis dit, putain, si je chope pas la Mister Satan rare, ce soir, je bois de l'alcool. Bah, c'est génial, je ne bois pas d'alcool ce soir. Ah, je me mets bien. Avec du Mister Satan, je me mets bien. Hein. On a ensuite du Kalin, de la Kalin. Kalin, Nekalikatin, ohé. En vert, on a ensuite du rouge, parce que c'est toujours bon le rouge plutôt que le rosé. On a ensuite du sel dégueulasse en seconde forme. On a du Gohan assez propre pour du super. Ça va.
Là, le Super Saiyajin God, rouge, rose, machin, ça va. Le design n'est pas trop mauvais. Assez fidèle globalement, mais ça reste propre. Et on termine avec une rare. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de toi. De toute façon, j'ai... Mister Satan. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ah, vous m'avez convaincu, Bandai, là. Je garde mes cartes. C'est dingue, mais ça me donne pas envie d'acheter d'autres boosters. Mais vraiment, ça me donne vraiment pas envie, quoi. J'aimerais bien avoir la Végéto, mais le taux de drop est dingue. Au moins la secret basique, mais... Est dingue dans le sens, c'est de la merde. Mais ça me donne pas envie d'acheter, parce qu'il y a plus de merde que de bombes, quoi. La Bulbule, la Bulbule. La Goten, la Goten. L'Android, ça va, ça l'avait pas mal. Celle avec des effets, ça peut être super joli, des effets brillants et tout. Le Végéto, tout moche, tout moche. Le Gohan, il a pris un tout petit coup de vieux, j'ai l'impression qu'il a une petite poussée de croissance sur le corps, hein, au niveau du corps. Et on termine avec une rare ici, extra, de Zamas, du Goku Rosé. Un peu de tout pour se faire plaisir. Le dernier paquet, ça donne quoi, Marty? Bonne question. C'est la question du jour. Je transpire. Donc, dans une box, du coup, si je dois faire un bilan, dans une box, j'ai chopé juste une SR parallèle, point. Putain, juste ça. Voilà, tac. J'ai chopé que ça. J'ai les boules. Attends, le dernier paquet, oui, Marty, oui. Dernier paquet. On ne sait jamais. Bon, de la maille qui maille avec un joli pot pour faire pipi quand tu veux, où tu veux, c'est une bonne chose. On a Karine qui tape avec son joli bâton. On a du Migaté no Gokui. Putain, si la lumière se dégage, ça va pas le faire. Fais-moi une mise au point, petite caméra. C'est trop sombre. Voilà, on est un peu mieux là. Hop là. Ensuite, du Gotenks. Mon Dieu. Mon Dieu. Là, je viens de faire de mon froc tellement c'est beau. Ah non, c'est de la merde. C'est de la merde. Une odeur de diarrhée là, putain de merde. Du Whis, pour ne pas changer, on termine s'il te plaît avec un truc de dingue. S'il te plaît, une rare. Une extra. Voilà. De sel. Alors peut-être que dans ces cartes là, j'ai chopé un truc de dingue à jouer, mais. Qu'est-ce que je te dise d'autre? À part. Je suis dégoûté. Allez, vite fait. Alors, de la double, hein, parce que je l'ai, celle-là. Une rare. Super rare, pardon. On a eu de l'extra, on a eu du Goku Black Rosé, on a eu de la moche, on a eu du Mister Satan, bordel de merde, c'est la meilleure carte au monde. Le Zarmas, bien énervé dans l'Android. Et puis, tête de cul. Voilà, je suis vénère. Je suis grave vénère. Sur une box. Putain. Ça donne pas envie d'acheter. Ça me donne vraiment pas envie d'acheter Isekardas Dragon Ball. Attention, Bandai, vous avez fait ça, vous aviez fait ça pour la dernière saison, où il y avait du Broly et tout, où justement le taux de drop était ultra limité, tout petit, tout merdique, donc pour avoir des cartes rares, machin, etc. Putain, si vous le faites déjà avec la saison 2 de Fusion World, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et comme d'hab, après, les joueurs, ils vont acheter par des particuliers, quoi. Et non pas par vous. Ça fait chier, quoi. Vous parlez de l'argent. Je suis dépité. Franchement, ça a été un unboxing de merde. J'ai encore des cartes de la saison 1. Heureusement, la saison 1 est un peu plus intéressante, entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez chopé du lourd dans les commentaires. Faites-moi râler. Vous avez le droit de me faire râler. Hein. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!